Oui, tu penses? Alors bonsoir à tous et à toutes. Avec un grand plaisir qu'on se retrouve, comme chaque jeudi soir, avec notre enseignant Ronia Krish. On continue à découvrir ou redécouvrir la Bible. Et cette semaine, on va traiter des chapitres 42, 2, 43 et 43, 44. On 44. est toujours dans Bérit. Voilà, bonne étude à nous Ouais. tous. C'est bien avec la journée du souvenir de la Shoah, 42, 43, 44. C'est presque adapté. Ne souris pas, Pascal. Et donc, je commence. On est donc dans le livre de Bereshit, la Genèse, chapitre 42, Parashat Miketz, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, le chapitre qui nous emmène sur cette nouvelle scène où Vayar Yaakov qui yesh. Shever ben Mitzrayim, Vayomer Yaakov levanav lama titra'u. Ce premier verset qui est introductif et significatif, Vayar Yaakov qui est Shever ben Mitzrayim, c'est-à-dire qu'il y a, comment dire, des ressources, du blé en Égypte. Et que Vayomer Yaakov levanav, et Yaakov déclare à ses enfants, leur dit, Lama titra'u. Alors, le texte voudrait traduire littéralement pourquoi vous regardez-vous. En vérité, moi, je pense qu'il est question de quelle est votre crainte? Que craignez-vous? Alors, parlons d'abord du terme de shever. En hébreu, shever est donc ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la source nourricière, c'est le blé. Mais shever a en hébreu un sens très intéressant. Et je partage avec vous ce propos intéressant. Shever, c'est la fracture. Shever est la fracture, mais shever est aussi la solution de la fracture. Pourquoi est-ce la solution? Eh bien, parce que shever est aussi la planche, enfin, le sens de cette planche sur laquelle les femmes pourraient accoucher, mettre au monde, proposer un devenir, donc une solution. C'est à mon avis l'origine de la terminologie de planche de salut d'ailleurs, où le salut est dans la génération, la pérennité. Et donc Yaakov dit, Vayar Yaakov qui est sévère, il vit qu'il y avait une source nourricière en Égypte. Selon ce que je viens de vous dire, on peut penser aussi que si il y a disette en terre de Canaan, la crainte de Yaakov est donc de trouver une solution. Ce qu'il entend certainement par les allées-venues d'autres personnages en terre de Canaan, d'autres paysans, d'autres agriculteurs, et il dit Yeshever b'Mitzrayim. Alors donc vous l'entendez de deux manières. La manière littérale, textuelle, c'est-à-dire qu'il y a une source nourricière en Égypte, et puis à la manière dont je vous ai expliqué maintenant, c'est-à-dire, eh bien, voyez-vous, il y a là-bas une solution. Alors, bien sûr, cette solution est peut-être prémonitoire. De quoi veut-il parler? Vayomer Yaakov le banav lama titraou, c'est-à-dire, que craignez-vous? Très bien, je continue. Vayomer ine shamati, et il leur dit, voici que j'ai entendu. Qui est shever b'Mitzrayim? Alors, on revient sur le même propos. Qu'ai-je entendu? Bien qu'il y a une source nourricière en Égypte, dans le sens figuré. C'est-à-dire qu'il y a cette source nourricière et source de solution, source de libération, bien entendu, puisque là où il y a à manger, dans un temps de famine et de disette, il y a bien plus que là, comment dire, il y a bien plus que là, la seule réponse, solution à la famine, à la disette, mais il y a délivrance, libération, je pense. C'est pour ça que je me suis embrouillé les pédales un peu à l'instant, c'est que je suis en train de penser à ce qui se passe au Venezuela et de savoir ô combien le fait de pouvoir boire et manger, se nourrir, mais pas seulement aujourd'hui, bien avant les informations de ce soir,
concernant le Venezuela, toute la journée, nous avons entendu ces récits que nous connaissons, mais ils sont tous différents les uns des autres, concernant le Yom HaZikaron, la Shoah, la journée du souvenir de la Shoah, et où l'on entend parler de cette famine, bien entendu, ou de la volonté des nazis d'affamer des ghettos entiers. Et donc, il y a ici Yeshever, il y a une source nourricière. Cette source nourricière est donc la solution à la famine, à la disette. Mais, je le dis pour la dernière fois, il y a une... cette solution est révélatrice, en tout cas, dans son sens figuré, d'une délivrance. Quelle est-elle ? Qui est Yeshever Mitzrayim, Redou Shama. Il est marqué de la redette, c'est-à-dire descendre. Le propos dans le texte biblique est toujours intéressant. Lorsqu'on vient sur la terre d'Israël, on y monte. Et lorsqu'on quitte la terre d'Israël, on descend. Alors, vous avez bien compris qu'il n'est pas question de géographie. C'est clair. Donc, s'il n'est pas question de géographie, c'est donc qu'il est question d'autre chose. Sainteté, consécration, la possibilité d'une élévation spirituelle qui s'offre à celui qui y vient, et, comment dire, une perte, cette dimension spirituelle, lorsqu'il la quitte. Raison pour laquelle on parlera d'Alia et de Yerida, bien entendu. Donc, il leur dit, descendez vers l'Égypte, « Veshivru lanu misham, ve nihye velo namut. » Alors là, je m'excuse, mais je suis obligé de vous emmener dans mes folies un petit peu, parce que si j'ai expliqué Shever de la manière dont j'ai voulu vous le faire entendre, alors lorsque Yaakov leur dit « descendez en Égypte, là-bas, il y a la possibilité de trouver cette source nourricière », ou Misham, et à partir de ce là-bas, qui n'est pas ici, Venichye Velonamut. Cela nous permettra de vivre et non pas de mourir. Essayez de prendre l'ensemble du propos qui est le mien et de le mettre non pas dans le cadre de la problématique immanente, c'est-à-dire la famine qui sévit ici, mais dans un cadre, je dirais, prophétique, où partir en Égypte nous permettra d'y trouver une source nourricière à même de nous, de nous empêcher de mourir, mais bien au contraire, d'être source de vie. Voilà, en tout cas, c'est le propos que je voyais dans ces premiers versets 1 et 2 du chapitre 42. C'est intéressant, à mon avis, et c'est la raison pour laquelle je vous le fais partager. Au verset 5, « Vayavou bne Israël, lishbor betor rabbaim, ki aya rav baretz kanaan. » Donc, les enfants d'Israël sont venus, sont arrivés. « Betor rabbaim » en Égypte, on imagine, « ki aya rav baretz kanaan. » Il y avait la disette en terre de Canaan. Verset 6, mais Yosef ou Achalit à la Haaretz. Yosef est donc, le patron en Égypte. Il est le personnage dominant, Achalit, à la Haaretz. Ou Amajbir l'école Am à Haaretz. Alors, ceux qui connaissent Israël depuis longtemps se rappellent qu'il y avait un grand magasin, une grande surface qui s'appelait Amajbir. Et donc, vous voyez que Amashbir, c'est celui à même de pouvoir fournir la nourriture, la source nourricière, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, il est Yosef ou Achalit à la Haaretz, ou Amashbir, l'école Am à Haaretz, Vayavou, Aché Yosef, Vayishtachavou, Loapai, Martza. Et les frères de Yosef y arrivèrent, donc auprès, apparemment, il fallait. Devoir rencontrer la grande intendance et, venant de pays différents, être présenté à Yosef, c'est ce que j'entends ici dans le sens littéral. Vayavou achei Yosef, vayishtachavou lo apaim artsa. Alors, bien entendu, lorsqu'il est écrit les frères de Yosef, personne ne sait qui est. Le seul qui peut savoir,
c'est Yosef, étant donné qu'il les reconnaît, bien entendu. Mais eux ne savent pas qui il est. Vaishtachavulo apai marza, et eux se sont prosternés devant lui. Ça vous rappelle certainement quelque chose, en tout cas, de ces rêves prémonitoires dont il était question, avec les gerbes de blé qui se prosternaient devant la gerbe au centre, bien qu'il n'y ait pas encore Yaakov en Égypte. Mais vous voyez qu'il y a une partie de la réalisation du rêve de Yosef qui est présentée ici. Alors, dans ce verset 6, que Yosef est donc le grand intendant, le maître d'œuvre en Égypte, la source nourricière. L'école Amaretz pour tout le pays, Amaretz pour tout le peuple, toute la population. Et il y a quelque chose là aussi, bien entendu. Je trouve qu'il y a d'une certaine manière un jeu dialectique entre cette venue parce qu'il y a famine, disette, et que l'on trouve une source nourricière, et donc il y a une solution à la problématique régionale. Et d'un autre côté, quand je dis dialectique, c'est parce qu'il y a cette autre part qui relève, à mon humble avis, d'un message prophétique où les enfants d'Israël vont devenir, par leur présence en Égypte, mais surtout par leur travail, eh bien, ils seront eux aussi à même de fournir une force économique importante à cette Égypte pharaonique. Rony, j'aurais juste une remarque par rapport au verset de tout à l'heure. Donc, si j'ai bien compris, d'après toi, donc là, dans le discours de Jacob, il voit aussi quelque chose de spirituel, c'est juste pas de l'alimentaire. Parce qu'on pense en Égypte que l'alliance est passée d'une alliance familiale à une alliance nationale. Donc, on est passé d'une famille élargie à toute une nation. C'est bien entendu ce vers quoi nous allons. Et c'est pour ça que j'entends dans ces premiers versets, et je me permets de le partager avec vous, à travers ce chever ben Mitzrayim, je n'arrive pas personnellement, ça n'engage que moi, à me contenter de vous dire « Ah, c'est simplement la source nourricière qui va venir apporter une solution à la disette du moment ». Bien sûr que c'est vrai, mais ce n'est pas seulement cela, voilà ce que je dis. Je dis qu'il y a là quelque chose qui vient me titiller l'esprit et me dire il y a un au-delà dans le propos ici-bas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On va passer au verset 7. Vayar Yosef et Echam, Vayakirem, Vaitnaker Elem, Vaidaber Itam Kashon, Vayomer Alem, Vainbatem, Vayomur, Vieretz Kenahan, Lish Bor Ochel. Alors, le début du verset m'intéresse. Yosef, Vayar Yosef et Echam. Donc, il voit, il reconnaît, en fin de compte, ses frères. Vayakirem, c'est ce qui est marqué. Vaitnaker Alem. Vaitnaker en hébreu, la racine, c'est une forme possessive d'abord, Vaitnaker, mais la racine c'est Nun Chafresh, Nechar, c'est-à-dire qu'il s'est rendu étranger à leurs yeux. Il était donc méconnaissable. C'est-à-dire, Vaitnaker, Alehem, Vaidaber Itam Kashot, et il eut des propos, assez durs vis-à-vis d'eux. Vayomer Alehem, il leur dit, d'où venez-vous? Et ils lui répondirent, de la terre de Canaan, et nous sommes venus afin de faire des provisions, Lishbor Ochel. Verset 9, verset 8, pardon, Vayaker Yosef et Echav, Vehemlo Ikiruhu. C'est ce que nous venons de dire en fin de compte. Yosef reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent point. Alors, par deux fois, vous avez vu au verset 7 quelque chose que je vous avais appris. Au verset 7, « Vayar Yosef et Echav ». Yosef vit ses frères. Mais ce qu'il vit, c'est « et Echav ». Alors, vous savez quoi? J'accepte le texte tel qu'il est, c'est-à-dire
le fait qu'il les reconnaît, mais qu'il se rend méconnaissable à leurs yeux, et puis qu'il va leur parler d'un ton assez dur, faire valoir son statut en quelque sorte, mais quand même, verset 7, « Vayar Yosef et Echav ». Et Echav, c'est l'essence de ses frères. L'essence des frères, c'est la fraternité. Et là, au verset 8, c'est la même chose. « Vayaker Yosef et Echav ». Il reconnut ses frères. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Malgré ce que l'on nous explique ici, je ne peux m'empêcher de vous dire que le cher Yosef est plus qu'ému. Il est bouleversé. Il est bouleversé. Et peut-être alors est-ce la raison de ce qui est écrit quand il y a marqué « Vaitnaker Elehem », c'est-à-dire qu'il se rend méconnaissable à leurs yeux. Il est obligé de se mettre un masque sur le personnage qu'il est déjà. Il est déjà assez méconnaissable, en tout cas pour les frères, mais là il y a quelque chose qui vient nous dire qu'il veut se rendre encore plus méconnaissable. Est-ce qu'il change sa coiffe? Est-ce qu'il change le ton de sa voix? Je ne sais trop. Mais en tout cas, il veut ne pas être reconnu. Et c'est intéressant, hein, Pascal, quand tu vois dans le texte, c'est intéressant parce que par deux fois, il y a « et » et « rav ». Et donc, il y a, à mon avis, comme ça, en sous-entendu, le fait qu'il est bouleversé, très ému. Et parce qu'il est question de fraternité, moi je ne vois pas, personnellement, je ne vois pas autre chose. Peut-être suis-je un être trop sensible, qui prend trop à cœur les choses, mais oui, voilà, je vois Yosef ressentir en tout cas cette présence de l'élément fraternel. Ça ne le laisse pas froid. Il est assez entrepris par l'émotion et il est donc obligé de... Mais regardez la suite, vous allez voir, je pense que j'ai raison. Ce n'est pas la vérité sublime, mais bon, je pense que ce n'est pas faux de dire ce que je dis. Alors, verset 9, « Vaïskor Yosef et Achalomot », ce que je disais tout à l'heure, il s'est souvenu des rêves qui furent les siens, « Asher Chalam Lahem », dont il avait rêvé et dont il les avait entretenus, « Vayomer Aleem et Raglimatem », où vous êtes des espions. « Lirot et Ervata Aretz Batem », vous êtes venus découvrir la terre d'Égypte. Enfin, plus que découvrir, vous êtes venus fouiller, vous êtes venus essayer d'en savoir plus sur l'Égypte. « Vayomru » verset 10, « Vayomru Elav Lo Adoni » Non, mon Seigneur, nous sommes simplement venus afin de nous approvisionner, c'est tout. Bon, très bien. Verset 15. Vous me suivez hein, dans ma construction. Bazot, Tibachanu, Chayiparo, Im Tetsu Mise, Ki Im Bebo Achichem Akaton Ena. Et alors, au verset 15, que leur dit-il? Ah, bon, vous imaginez, hein, les versets que je n'ai pas lus, c'est « Alors, vous n'êtes pas des espions » et eux de dire « Mais non, mon Seigneur, comment pourrions-nous » blablabla. Alors, au verset 15, il leur dit « Eh bien, je vais vous mettre à l'épreuve au nom de Pharaon. Hein, vous allez sortir d'ici, hein, d'Égypte, bien entendu, mais étant donné que vous m'avez dit que vous aviez un jeune frère qui n'était pas avec vous, eh bien... vous allez me donner la preuve que vos propos étaient vérités. Et comment le saurais-je? Eh bien, vous allez ramener ce jeune frère avec vous la prochaine fois que vous, si vous voulez vous approvisionner, il faudra amener ce petit-là. Il a fait. Verset 17. Voyez, Sofotam el Mishmar Shloshet Yamim. Bon, il les a mis aux arrêts pendant 3 jours. C'est ça qu'on nous dit. Verset 19. Im keni matem achichem echad yaser bebet mishmerechem, c'est-à-dire que là où vous avez été enfermés durant ces 3 jours, je vais en garder
un seul d'entre vous, les autres seront libérés. Vatem les rois, vi ou chevera, von Bethlehem. Et vous amenez vos provisions dans vos foyers en Canaan. Vetarichem akaton, ta vi ou elai. Et puis je garde ce frère parce que vous devez m'amener le petit pour justifier vos propos. Voyez-vous, pardon. Vetarichem akaton, je suis au verset 20. Ta vi ou elai. Vayamnu divrechem, c'est ça, ça veut dire que vous allez justifier votre propos, vos réponses, velotamutu, vayasukhen, vous ne mourrez pas, et ils firent ainsi. Vayomru, ish el achiv, les frères parlent entre eux. Ish el achiv, c'est important, hein, vous allez me dire que je suis un peu obsédé avec ce mot de frère. Mais c'est très important parce que je vous l'ai déjà dit. Ce que je vous ai déjà dit, c'est le fait que depuis le fratricide qui ouvre l'histoire humaine, comme disait notre maître Manitou, le devenir de l'homme est dans la résolution de cette équation de la fraternité. On l'a même dit ici des dizaines de fois. Donc le mot « ach » ici est toujours, toujours, toujours très important. On l'a vu avec Lot, avec Abraham. Donc, Vayomu ish el achiv. N'oubliez pas que les dix en question sont des fameux coquins, parce qu'ils sont quand même ces individus, ceux qui ont vendu Yosef pour des raisons tout à fait, comment je dirais, d'une conscience psychologique ayant crainte d'être blessé, d'être mis mal en point, se débarrasser de Yosef. Et là, maintenant qu'ils sont en Égypte, dans la situation où ils se trouvent, vous entendez, Vayomru ish el achiv, ils s'entretiennent entre frères. Oui, vous me direz, c'est vrai que quand nous sommes face à l'adversité ou dans des situations précaires, les liens se resserrent pour faire face justement à cette adversité. Mais bon, quand même, il faut remarquer que le mot « frère » est ici. Alors, que disent-ils l'un à l'autre? Je suis au verset 21. « Avalachemim, avalachemim, anachnu alachenu asher, rainu tzara nafso, beitranenu elenu veloshima » Veloshamanu alken ba elenu atzarazot. Oulalalalala. Non seulement ils sentent bien qu'ils sont dans une situation de précarité face à ce seigneur dont ils n'arrivent pas à saisir foncièrement ce dont il est question, et ils se parlent entre frères et ils se disent Aval Hashemim, nous sommes coupables. Il y avait chez le professeur et Rav Avraham Yoshua Eshel de vouloir signifier dans les malheurs de l'homme, en tout cas dans les malheurs desquels il était témoin dans les années 60 aux États-Unis avec l'apartheid, la ségrégation raciale, etc., de vouloir et de dire au grand public « Vous n'êtes peut-être pas coupable de ce qui se passe, mais vous êtes en tout cas Nous sommes responsables. » Et là, les frères ne viennent pas nous faire entendre qu'ils sont seulement responsables. Ils viennent et ils disent « Hashemim », c'est-à-dire qu'ils sont coupables. Et coupables de quoi? À la suite, ce que je viens de vous lire. « Anachnu alachenu » Nous, c'est un ensemble, c'est l'ensemble de ces dix frères-là, ici présents. Nous sommes coupables, nous tous ensemble, à propos de quoi? À l'achinou, à notre frère. Ah, ce n'est pas Yosef, ce n'est pas le délateur, ce n'est pas le prétentieux, ce n'est pas l'orgueilleux. C'est notre frère. Ah, ils se disent l'un à l'autre, les frères, entre eux, voilà que ce qui se passe
est certainement liée en sous-entendu de l'histoire au fait que nous sommes coupables. Coupables de quoi? Eh bien, nous sommes coupables vis-à-vis de notre frère, Asher Raïnou Tsaranafcho. Nous l'avons vu au moment où nous accomplissions le forfait que nous voulions accomplir, nous l'avons vu contrit en son âme et conscience. Beitraneno elenu, alors qu'il nous suppliait. Velo shamanu, et nous n'avons rien entendu. Pardon, nous n'avons rien voulu entendre. Et alors que se disent-ils, Alken, aussi, en conséquence, ba elenu atzara azot, ce malheur s'abat sur nous. La majorité d'entre nous ne supportons jamais, au grand jamais, d'être victime d'adversité, de précarité, ou de situations difficiles, sans essayer de savoir le pourquoi. Et leur réponse est absolument étonnante, c'est qu'ils sont, je dirais presque sans réfléchir, mais dans une réaction naturelle, ceux qui viennent et déclarent, la cause, c'est ce que nous avons fait. Très bien, verset 24. « Vayasov me'alehem » Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Vayasov me'alehem, il s'est tourné, il leur a tourné le dos, ou il s'en est retourné, il est allé dans un autre coin. Vayevk, vayeshev alehem, vayashov alehem, vayedaber elehem, vayikar mi'itam et shimon. Donc, qu'est-ce que vous entendez? Il s'est retourné. Et que s'est-il passé? Je vous disais qu'il était émotif. Il avait été touché d'une très forte émotion lorsqu'il a vu ses frères. Il pourrait être celui qui voudrait garder rancune, se venger. Vous avez déjà prêté attention au fait que sa dimension psychologique, son état psychologique est celui de l'émotion, de la sensibilité. Alors il s'est retourné, il a pleuré, puis il est revenu vers eux et il leur a adressé la parole et il a pris Shimon et il l'a enfermé, bien entendu. Verset 27. Vaiftar a echad et sako la tête mispo le la chamoro. C'est une fois qu'ils ont laissé Shimon chez Yosef, enfin que Yosef a emprisonné Shimon. Les neuf autres ont voulu se mettre en route. En se mettant en route, l'un d'entre eux a ouvert son sac pour je ne sais quelle raison. Et puis, le texte vient et nous dit pour quelle raison, c'est-à-dire prendre, de quoi nourrir son âne. Et alors, il a vu, il découvre l'argent qui devait servir à payer les provisions qu'il faisait en Égypte, cet argent était encore chez eux et vous imaginez qu'ils se retrouvent dans un état de grande perplexité. Mais ils sont déjà en chemin, ils ne vont pas faire demi-tour, surtout la situation qui est la leur, et puis surtout, bien entendu, parce que nous savons qu'ils doivent revenir. Ils ne vont pas laisser Shimon enfermé en Égypte. « Vayomer elechav » Donc l'un d'entre eux dit à ses frères, vous voyez, il y a continuellement cette volonté du texte de nous dire qu'ils se parlent, qu'ils s'adressent l'un à l'autre dans cette dimension de fraternité. Et donc ils arrivent, verset 36, chez Yaakov, Yomer Elehem, Yaakov, Aviem, Oti, Shikaltem, Yosef, Enenu, Veshimon, Enenu. Et moi, vous m'avez déjà, endeuillé, en quelque sorte. Avec Yosef qui a disparu, et maintenant Shimon qui est emprisonné. Ve'et Binyamin tikachu alay ayu kulana. Et si jamais vous preniez Binyamin aussi pour ce que vous me demandez,
Vayomer Réhouven est la vive. Et Réhouven dit à son père, que lui dit-il? Là, c'est intéressant de voir cela. Il lui dit, Etchne banai tamit imlo avienu elecha. Tena oto aliadi veani achivenu elecha. Donne-moi, Binyamin, sous ma responsabilité, si jamais je ne le ramène pas, tu pourras me punir en tuant mes deux enfants. Drôle de proposition, vous en conviendrez. Enfin, ça paraît plus que bizarre. Et alors, que répond Yaakov? Vayomer, lo ired bni imachem. Yaakov refuse. Alors, il refuse certainement parce que la proposition n'est pas très nette, mais surtout parce qu'il a un contentieux dont on avait parlé avec Réhouven. Et il n'acceptera que ce que nous allons voir maintenant, c'est-à-dire la proposition qui sera celle de Yehuda, bien entendu, et pas celle de Réhouven, pour ce que je vous disais à l'instant. Voilà, un tant soit peu, une vision, un regard sur le chapitre 42, et avec des explications qui en disent beaucoup plus long que la littéralité du texte. Et si vous avez une question, je vous écoute. Sinon, oui, on continue. Ronnie. Oui, Shalom. Bonsoir à tous. Je viens d'atterrir, moi, de mon nuage. Quand on regarde la proposition des Réhouven, on a l'impression d'avoir vécu ce genre de proposition dans le passé avec un monsieur qui proposait ses filles pour qu'on ne touche pas des personnes qui étaient chez lui, c'est-à-dire des propositions inacceptables, des choses qui étaient vraiment à l'encontre de tout, des choses qui, dans la pensée d'un homme normal, ne devraient même pas venir. Absolument, entièrement, je l'ai dit d'ailleurs. Je l'ai dit, c'est une proposition qui n'est inacceptable. Yaakov ne l'accepte pas, je l'ai dit, certainement parce qu'il y a de ce que nous énonçons ici, mais aussi parce qu'à mon humble avis, le contentieux avec Réhouven est toujours omniprésent. Mais tu as entièrement raison. Ni celui de Lot, ni la situation de Lot, l'attitude de Lot, ni l'attitude de Réhouven sont ici. Et puis, je ne sais pas si on l'avait vu ensemble, ce qu'on appelle Pilegesh Bagiva, la concubine sur la colline, dans le livre de Shmuel, où de la même manière, le mari se planque chez l'hôte, et lorsque la foule demande à ce qu'on leur donne ces personnages qui sont là, cette femme, le personnage va proposer un tiers aussi. Ça paraît tout à fait pas anodin, mais plus qu'étonnant et qui va à l'encontre de la morale la plus foncière qui soit. Est-ce que ça ne serait pas une proposition dans la panique où on essaie de trouver un pis-aller, quelque chose, vite, vite, pour que je trouve quelque chose pour que les choses s'arrangent ou qu'au moins l'honneur soit sauf? Oui, mais enfin, l'urgence, la fin ne justifie pas les moyens. Alors, Ronny, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans… Je ne te vois plus, Pascal, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de lumière dans la pièce, alors on ne voit pas. Ah, ben tant pis pour toi. Alors, j'écoute. Voilà, c'est qu'en fait, je remarque deux choses, en fait, c'est que les frères, que ce soit Yosef vis-à-vis de ses frères ou les frères entre eux par rapport… À la presque mort de Yosef, c'est qu'en fait, ils ne se hiérarchisent pas. Joseph, il les considère tous au même niveau, alors qu'ils ont eu des rôles quand même différents. Et les frères, quand ils parlent de ce drame, ils ne se montent pas les uns contre les autres en disant « il fallait m'écouter, le vendre, le tuer, etc. Et... » Si, mais, enfin, on ne l'a pas lu, mais Réhouven va faire valoir cela. Mais c'est vrai que d'une manière générale, ils ont l'air… assez unis, assez tous ensemble, ils font corps pour la raison que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils sont
dans une situation plus que précaire et face à une adversité qui les remet en cause tous ici. Mais Joseph, il n'a pas l'air d'en vouloir plus à certains qu'à d'autres, en fait. On dirait qu'ils sont... Ah oui, ça oui, bien sûr, bien sûr. Et une dernière chose, oui. C'est que Jacob, il parle de... Il reste que Benjamin, c'est-à-dire, il parle des deux frères, des deux fils de Rachel comme étant supérieurs aux autres parce qu'il dit, il ne me reste que lui. Du genre, les autres comptent moins, quoi. Dans le propos de Yaakov, on sent bien qu'il y a, une faiblesse sentimentale vis-à-vis de Yosef et de Binyamin, mais nous savons pourquoi. L'amour qui était le sien pour Rachel était incommensurable. Et donc, ils sont... À tous égards, Yosef et Binyamin sont, l'épreuve vivante que cet amour fut. Chapitre 43, verset 1. Donc la famine est installée en terre de Canaan. Verset 3. Vayomer, allez, verset 2, la fin du 2. Vaïka Asher Kalul et Roleta et Tachemir, lorsqu'ils finirent les provisions qu'ils avaient ramenées depuis l'Égypte. Vayomer, allez, aviem, chouvou, chivrou, lanou, mea tochel. Étonnamment, Yaakov leur dit, allez, retournez en Égypte et ramenez des provisions. Bien entendu, sans continuer le texte, chacun de nous va dire, mais enfin, a-t-il oublié la condition sine qua non? Vayomer Elav Yehuda les morts, à Edehid Banu Aish. Et Yehuda leur dit, mais il nous a fait promettre, Aish, le Seigneur, les morts, Lotiru Panay, Bilti Arechem Itrem. Vous ne pourrez revenir ici que si votre frère est avec vous. On l'a bien entendu. Verset 8. Vayomer Yehuda El Israël Aviv, Shilcha Ana. Shilcha anahar iti, venakuma venelcha venichye, velonamud gam anachnu gam ata gam tapenu. Alors, contrairement à Réhouven, la déclaration de Yehuda est celle-ci. Sa déclaration à Israël, son père, bien entendu. Alors que je crois, si je ne me trompe pas, à propos de Réhouven, c'est peut-être intéressant pour vous, mais il était écrit que Réhouven s'était adressé à Yaakov. Et là, Yehuda s'adresse à Israël. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que le propos de Yehuda s'adresse à bon escient à Israël. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit ceci. Envoie, Shilcha, permets de prendre avec nous dans ce voyage Anahar, le jeune homme avec moi, Venakuma, Venelcha, Venirie. La suite des verbes l'un après l'autre dans le texte anachique vient nous enseigner la précipitation. C'est-à-dire que Israël ici est confronté à un personnage, Yehuda, qui n'a pas le temps de tergiverser. Nous lèverons, nous irons. Nous vivrons, nous ne mourrons pas, Gamanar, nous, non seulement nous, mais aussi notre descendance. Il y a donc à Israël l'assurance qu'en aucun cas, cette situation précaire, pleine d'adversités, de difficultés, ce Seigneur ne pourra en aucun cas, il se porte garant de cela, il ne se porte pas garant de ramener seulement Binyamin, de ramener Binyamin et le frère emprisonné. Il se porte garant que ce voyage, que cette rencontre avec ce Seigneur n'empêchera en rien l'assurance de pérennité promise à Yaakov. Si toi, Yaakov, avais peur de ne pas devenir Israël, voici que je viens, te dis et te préviens qu'il n'en sera guère le cas. J'en suis le témoin. Et celui qui dit cela, c'est Yehuda, bien entendu. Et
le personnage que nous connaissons, que nous connaîtrons, bien entendu, comme étant très volontaire et prêt à n'importe quelle violence afin d'assurer justement le pouvoir, la souveraineté et la pérennité d'Israël. Continuons. Donc, nous avons vu ce que dit Yehuda au verset 8, et je passe avec vous au verset 11. « Vayomer aleim Israël aviem » Et Israël, leur père, leur dit, « Imked, si c'est ainsi, « Efozot asu kru mizmoret haaretz bekilechem veoridu leish mitcha me'at tsara tsare u'me'at vash nechot velat botnim ushkedim vekesef mishne » Verset 12, « Vekesef mishne kru beyadechem vetakesef amushav bepi amatotechem tashivu beyadchem » Oulaï misge ou. Bon, alors je vais vous traduire. Prenez en vos mains une somme d'argent double, l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs. Restituez-la de votre propre main. C'était peut-être une erreur. C'est ce que je viens de lire. Et auparavant, quoi? Leur père leur dit, s'il en est ainsi et vous devez retourner en Égypte, donc faites donc ceci, mettez dans vos bagages les meilleures productions du pays, apportez-les en hommage à cet homme, un peu de boum, un peu de miel, des aromates, des lotus, des pistaches, des amandes. Israël est convaincu. Convaincu par Yehuda, bien entendu. Et que dit-il au verset 14? Ve'el Shaddai iten lachem rachamim lifnei ha'ish, ve'shilar lachem et achechem acher, ve'et binyamin ve'ani, kasher shakolti shakolti. Nous sommes au verset que je viens de dire maintenant, 14. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce auprès de cet homme afin qu'il vous rende votre autre frère et Benjamin. Pour moi, comme je suis privé, je resterai privé. Pour l'instant, il accepte cette situation. C'est ce qu'il dit à la fin du verset. C'est-à-dire que, victime comme je le suis maintenant et n'ayant d'autres moyens que de supporter cet état, cette situation-là, eh bien, je l'assume. Mais, il dit, au début du verset 14, Ve'el Shaddai iten lachem rachamim. On connaît Adonai, on connaît Elohim et El Shaddai. El Shaddai qu'on rencontre au début du livre de Bereshit. El Shaddai, nos sages disent El She'amar Dai, le Dieu qui a dit cela suffit. Pourquoi? Je dirais qu'à partir du moment où le processus physiologique est engagé, il faut qu'à un moment donné, ce processus, à partir de, prenez l'exemple de la formation fœtale et de l'évolution de cette mitose cellulaire qui va avoir lieu, il faut bien qu'à un moment, il y ait cesse de cela pour que l'on naisse avec 5 doigts dans chaque main et pas 8 dans l'une et 18 dans l'autre, etc., etc. C'est-à-dire qu'il doit y avoir El Shaddai. D'une certaine manière, je dirais comme cela, si c'est entendable. Nous avons le Dieu créateur des lois immuables de la création, nous avons le Dieu omniprésent dans l'histoire, et là, cette autre facette du créateur dont nous n'avons aucune connaissance possible, eh bien, c'est celle qui est à même de réguler, c'est-à-dire de permettre à l'ordre de pouvoir être en ordre à tout moment, même si dans le temps, bien entendu, cet ordre en ordre à tout moment traversait des fluctuations qui peuvent être. Je n'ai pas besoin de vous rappeler quelle fut notre journée aujourd'hui du souvenir. Alors oui, il y a dans ces fluctuations des moments dramatiques. Il y a des moments difficiles, des moments précaires, des moments d'adversité, etc. Mais en fin de compte, Israël, ici, il déclare « Ve'el Shaddai iten lachem rachamim ». C'est-à-dire que ce Dieu dont je vous parle, la facette du Créateur dont je vous parle, sera suffisamment miséricordieuse. Mais Adonai est miséricordieux, c'est d'ailleurs la règle de Adonai, c'est d'être miséricorde, alors que Elohim, c'est la rigueur. Mais cette miséricorde dans l'histoire,
dans l'omniprésence, l'omnipotence dans l'histoire est intimement liée à ce El Shaddai qui est, comme je l'ai précisé, mettre, respecter l'ordre et respecter l'ordre qu'il voulut dans sa volonté créatrice et mettre en ordre ce qui viendrait mettre des ordres. Alors il dit, allez en toute confiance en fin de compte, que leur dit-il ? La promesse de Yaakov à Israël, c'est gentil de la part de Yehuda. Bien sûr que cela m'a motivé d'entendre Yehuda parler ainsi. Mais je suis plus motivé par la promesse ancestrale qui fut faite à mes pères et dont je suis le légataire et le porteur que ce que vint me dire Yehuda. La seule chose, c'est que Yehuda, dans son propos, m'a mis en confiance parce qu'il se posait comme le digne successeur. Voilà, je dirais comme ça. Ronnie ? Oui. Deux réflexions. La première réflexion, donc on voit que le père, à un moment donné, Israël, dit à ses enfants, mais pourquoi vous avez répondu à telle question ? Déjà, si on fait une enquête policière, des questions aussi précises, ça pue, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils ne sont pas connectés. Ensuite, il nous est dit que Israël dit à ses enfants, écoutez, vous allez prendre des meilleurs produits, et alors c'est la famine. Donc, est-ce qu'il n'y avait que ces produits-là qui étaient produits et ce qui leur manquait, c'était tout ce qui était le blé et l'orge, etc. Les céréales, à mon avis, les céréales, oui. Il leur manquait les céréales. Et puis, bon, Yaakov est un homme que nous avons rencontré dans cette future rencontre entre frères à son retour de chez Laban. Et on se rappelle combien il était prière et combien il sera prêt à la guerre, mais aussi on se rappelle qu'étant prêt à la diplomatie, il n'hésitera pas à envoyer nombre de cadeaux. Et donc on voit bien entendu ici l'homme à même et capable de pouvoir négocier. Verset 15, je vous lis. Vaïkrou Anashim et Amincha Azot, donc ils prirent les cadeaux, ou Mishne Kasef Lakrou, ils ont donc pris deux sommes de paiement, celles qu'ils devaient de précédemment, plus la nouvelle, mais il y en a entre leurs mains, Vet Binyamin, et Binyamin aussi, Vaïakoumou, Vaïrdou Mitraim. Et les voilà qui se retrouvent devant Yosef. Verset 16. Vayar Yosef, Itam et Binyamin, Vayomer, Leacher al Beto, Abba et Ava et Anashim, Abaita, Utvoar Tevar Vehin ki iti Yochlu Anashim Batsomayim. Nous comprenons qu'il a vu, Yosef a aperçu ses frères, il a aperçu que Binyamin était avec eux, il donne l'ordre à ses serviteurs de préparer un repas afin de pouvoir recevoir ces gens à sa table. Très intéressant, bien entendu, mais je continue. Verset 23. Vayomer shalom lachem al tirahu. Donc on imagine qu'ils ont été amenés auprès de Yosef. Il leur dit shalom lachem. Propos respectueux, honorable. De l'hospitalité, al tirao. Alors, bien sûr, lorsqu'ils sont amenés chez Yosef, on comprend bien que leurs genoux tremblent un peu. Il leur dit, ne craignez rien. Al tirao, Elohechem, Elohe Avichem, Natan Lachem, Matmon, Amato, Amtechotechem. Il leur dit, c'est votre Dieu qui a fait que vous étiez, comment dire, digne de ne pas avoir eu à payer le premier approvisionnement. Et intéressant, pourquoi leur dit-il de cette manière ? Elohechem, Elohe Avichem, votre Dieu est le Dieu de vos pères, Natan Lachem, vous a donné Matmon, ce trésor dans vos sacs. Kasperem ba elaim vayotze elehem et Kasperem ba elaim vayotze alehem et Shimon.
Donc, nous comprenons qu'il les rassure concernant l'argent. Et puis, il sort afin de ramener Shimon, puisque la promesse est donc tenue. Verset 29, « Vaïsaena vayaret binyamin » Alors, il ne l'aperçoit pas, il le voit. Vaïssa enav, il leva les yeux et vit Binyamin, Achiv, ben Imo. Si on avait dit Achiv, son frère parmi tous les frères. Mais vous comprenez que le texte dit quelque chose qui est beaucoup plus précis. Quoi ? Il est son frère de la même mère, ben Imo. Et vous connaissez déjà Yosef, donc vous imaginez dans quel état d'émotion se trouve-t-il. Vayevakesh nifkot, vayavo achadara, vayevshama. Vayevakesh nifkot. Alors il est bien évident que. Ah oui, j'étais au verset 30. Vayimaer Yosef, ki nichmeru rachama velechav. C'est-à-dire qu'il a été très ému devant ses frères. Vayevakesh nifkot. Alors, Vayevakesh ici, il n'a demandé la permission à personne. Ce qui s'est passé, c'est que Vayevakesh nifkot, c'est comme si on nous permettait de rentrer dans le sein de Yosef. Vayavoir Hadara, il est allé dans sa chambre. Vayev Keshama, et il éclata en sanglots là-bas. Verset 32. Vayasimulo levado velechem levadam ou la mitraim orlimito levadam ki lo yuchlu na mitrim lechol et aivrim lechem ki toeva il est mitraim. Alors ce verset, bien entendu, est significatif d'un état de fait intéressant. Je vous le traduis. Il fut servi. Donc, il y a le repas, mais il fut servi à part et eux à part. C'est-à-dire Yosef à part et eux à part. Ben oui, puisqu'il n'avait pas déclaré qu'ils étaient frères de la même famille. Lui restait le prince d'Égypte et eux, ces Hébreux venus de Canaan. Et à part aussi les Égyptiens qui mangeaient avec lui. Car les Égyptiens ne peuvent manger du pain avec les Hébreux, cela étant une abomination en Égypte. Vous vous rappelez, je crois que je vous l'avais dit une fois, le mot copain, c'est konpano, celui avec qui je partage mon pain. Ce que vient nous dire le texte, c'est qu'il ne pouvait pas être copain avec les Égyptiens, et que les Égyptiens ne pouvaient pas être copains avec les Hébreux, puisqu'ils ne pouvaient pas partager le pain avec eux, et qu'il fallait que ce pain soit mangé à part. C'est, à mon avis, assez intéressant. Enfin, je vais vous saouler encore avec ça, mais aujourd'hui aussi, j'ai entendu qu'à partir du moment où les lois racistes de Vichy avait été instauré, les Juifs en France, eh bien, ne pouvaient pas acheter au même moment que les Français. C'est-à-dire qu'ils devaient venir en magasin entre 4h et 5h. Ils avaient peu de chance d'y trouver quelque chose. Mais enfin, ils ne pouvaient pas se trouver, ils devaient être à part, quoi. Voilà, c'est... Alors, bien sûr, il est évident que je vis aussi au rythme de mon temps, de l'instant de mon temps, et je suis inspiré par cela, bien évidemment, mais vous me concéderez le fait que c'est quand même assez intéressant de venir rappeler dans ce propos que les Égyptiens ne pouvaient pas partager leur pain avec les Hébreux et que c'était un acte abominable que de le faire. Bon. Alors, comme on dit chez moi, celui qui veut entendre et comprendre, entendra et comprendra. Ronnie, oui. Pour renforcer le clou, donc, moi j'habite dans le Vaucluse, il faut savoir qu'on avait ce qu'on appelait les Juifs du Pape. Et les Juifs devaient porter un chapeau jaune pour être reconnus dans la ville. Oui, à Avignon. C'est ça, ils avaient le droit à certains privilèges, mais pas de tenir certains commerces. Et par contre, tout ce qui était de l'usure, ils pouvaient.
que tout ce qui touchait l'alimentaire, c'était interdit. Et pour en revenir au texte de ce qu'on a lu, on voit que Yosef emploie des salutations qui sont très hébraïques et pas tellement égyptiennes, pas tellement arabes. Il aurait pu dire Tifkoun pour dire une salutation générale ou bien une autre formulation plutôt que de le shalom. Ouais, bon, notamment, on va traduire. Salam alaikum. Soyez les bienvenus. Oui, non. À Valdo, je dirais que c'est apparemment c'est le modèle, puisqu'on entendra chez les Arabes plusieurs siècles plus tard Salam alaikum. Et on voit bien que Salam alaikum et Shalom alaikum, c'est exactement la même chose. Un dernier point avant de passer au dernier chapitre, malgré qu'il nous reste 5 minutes, c'est le fait qu'à ce banquet, alors tout à fait étonnamment, j'ai remarqué qu'au chapitre, au verset 34, la fin du verset est qu'ils ont bien bu, ils ont bien mangé. Le texte dit, les trois derniers mots du verset 34, « Vaishtu, vaishkeru imo ». En fin de compte, on nous dit « ils burent » et la traduction, c'est « s'enivrèrent avec lui ». Alors, avec lui, pas avec eux. C'est donc le rapprochement qui fut fait, fut engagé, à mon humble avis, par Yosef, parce que j'ai du mal à imaginer que les frères se soient laissés aller gracieusement sans aucune raison. Les Égyptiens présents ne partagent pas le pain, c'est un acte abominable. Il ne nous reste que Yosef qui ait pu être à même de pouvoir créer une situation, une ambiance à même de pouvoir trinquer les chaïm. Et bien entendu que nous allons découvrir quelque chose d'intéressant. Je fais une partie, on n'aura pas le temps de faire tout le 44, mais je vous lis au verset 2. Vous vous rappelez, comment dire, vous vous rappelez que bon, on va le lire quand même. Verset, allez. Vaïtsav et Asher al Beto, les morts, mais les et amtechot à Anashim, Ochel Kacher Yochlun, Seed, Vesim Kesef Ishbepi, Amtarto. En fait, quand Yosef, à la suite de ce banquet, on peut l'appeler comme ça, il demande à ses serviteurs de remplir les sacoches des frères et de leur mettre aussi de la nourriture pour le voyage, mais aussi de leur laisser l'argent en place. Et puis surtout ce verset 2. Ve'et gviye gviya akesev tasim bepi amtachat akaton. C'est-à-dire qu'il demande aux serviteurs de mettre une coupe en or, en argent, la coupe en argent, de la mettre dans le sac, dans les sacoches de Binyamin. Au verset 4, Em yatsu et ha'ir, Lo ilchiku ve Yosef amar le Asher al beto kum rdof achara nashim ve isaktam ve amarta alehem lama shilam temra tachat tova. Ils sont à peine sortis que Yosef n'a pas perdu de temps. Il a demandé aux gens de sa maison de les poursuivre et de les rattraper et de leur dire, mais pourquoi rendez-vous un bien par un mal? Alors bien sûr, ils sont interpellés. Interpellé comment? Verset 12, Vayechapes bagadol, Echel ou bakatan kala. Ils ont commencé par fouiller les sacoches du plus grand jusqu'au plus petit. Vayimatse agavia beamtachat binyamin. Et la coupe fut trouvée dans la sacoche de Binyamin. Vous imaginez le drame. Verset 15, Vayomer laem Yosef, Mama seazé. Bien sûr, ils sont rentrés au palais chez Yosef et Yosef leur demande: qu'avez-vous fait? Mais Asher Asitem, Alo Yadatem, Kinachinaresh Ish, Asher Kamoni. Mais vous saviez très bien que l'on ne pouvait pas me roubler, me tromper, que je découvrirais le poteau rose. Verset 16, Vayomer Yehuda, Manomar Ladoni, Manedaber, Umanitstadak. Ça servira de fond de prière, c'est ce propos de Yehuda. Manomar, Uman Edaber, Uman Itzadar,
que dirons-nous, qu'exprimerons-nous et que pourrions-nous nous justifier? Ça fait partie de la prière. Dieu nous a mis devant cette épreuve, cette faute. Inenia vadim la doni, et nous devenons les serviteurs de mon Seigneur. Gam anardo, gam asher nimtsa gavia biyado, nous et celui chez qui on a trouvé la coupe. Vayomer chalila lio, il leur dit Yosef, on dirait aujourd'hui que Dieu m'en préserve. Mais à Sotzot, de faire une telle chose. Aïcha Chernim Tsangavia Viado, Oui Eli, Eved, Beatem, Alou, le Shalom, la vie. Celui chez qui j'ai trouvé la coupe restera, et vous les autres, et tous les autres retourneront près du Père. Je vous lis simplement la phrase du 18 pour que vous compreniez ce qui se passe au chapitre 44. Vaïgash Elav Yehuda. En hébreu, Vaïgash Elav Yehuda. C'est-à-dire que Yehuda s'est présenté devant Yosef, prêt à en découdre. Vaïgash, c'est vouloir se placer face à l'autre afin d'en découdre. Vaïomer, bi Adoni et daber na avdecha. Daber behozne Adoni, ve al icha rapecha be avdecha ki kamocha ke paro. Il lui dit, venons et discutons. C'est-à-dire que nous sommes obligés de converser. Et ne te mets pas en colère parce que je demande de converser. Et là, nos sages ne savent pas comment avaler la pilule lorsqu'il dit Kikamocha ke Paro. Et toi, tu es comme Paro. Oui, ben Paro, c'est pas tellement, le personnage reluisant par excellence dans la situation politique en Égypte. Et donc, de venir et de dire à Yosef, tu es comme Paro, c'est venir lui dire, tu n'es pas plus tendre que Pharaon, tu n'es pas moins terrible, tu n'es pas moins violent, tu n'es pas moins cruel, etc. etc. Bien évidemment, je ne peux pas continuer, parce que vous pouvez le lire vous-même, mais il est question ici, au moment où Yehuda se confronte entre Yosef, nos sages viennent et disent, c'est prémonitoire de ce qui se passera dans l'histoire nationale, souveraine, indépendante entre Israël, les tribus d'Israël, celles de Éphraïm, de Ménaché et les autres, et celles de Yehuda qui seront Yehuda et Binyamin. Puisque vous avez fait attention que Yehuda s'est porté garant de Binyamin, Binyamin lui sera toujours redevable. Je peux même vous dire que lors de la conquête d'Israël, une fois que le territoire de Binyamin et dont Jérusalem sera libéré par Yehuda, Binyamin ne s'y installera pas, malgré que ce soit Yehuda qui l'ait libéré. Enfin, ils ont une relation tout à fait particulière que l'on retrouvera tout au long de l'histoire. Pour notre histoire à nous ici, en dehors de ce rajout que je viens de faire, il est clair que Yosef ne va pas accepter la confrontation. Il est clair que le témoignage de Yehuda ici, et c'est là le point important parmi tout ce que nous avons dit d'important pour ce soir, c'est que Yosef se rend compte que ce qui s'est passé avec lui a très certainement servi de leçon à ses autres frères, afin qu'ils comprennent, entendent et appréhendent la notion de fraternité. Lorsqu'il a vu Yehuda à ce point se mobiliser pour défendre le devenir de Binyamin, son frère à Yosef, de cette même mère, il a compris qu'il était temps de jeter le masque et de se dévoiler à ses frères. Il ne se dévoile à ses frères que parce qu'il entend et comprend et appréhende lui aussi qu'ils se reconnaissent, eux. Sans savoir que Yosef est Yosef, ils se reconnaissent tous entre eux comme frères. Dans ce cadre-là, Yosef peut dévoiler sa véritable identité et leur déclarer qu'ils n'ont rien à craindre.
parce qu'il n'y a en lui aucune rancune, aucune vengeance. Et il n'y a pas de rancune et de vengeance parce qu'ils font preuve devant lui de cette dimension de la fraternité qui seule peut être à même de leur proposer un devenir probant. Ouf ! Ouais, super. Voilà. Alors, ça nous permet comme ça, bien sûr. Bon, on ne va pas faire du mot à mot dans le texte. Donc, il faut pas. Donc, à chaque fois, quand je le prépare, je souligne des versets qui vont avoir un suivi, bien sûr, mais qui nous permettent de développer, de suivre une idée. On a commencé au 42 avec cette notion de frère, on en termine avec. Et puis, on a traversé l'histoire aussi d'une certaine manière. Ça ne nous a pas empêché d'entendre, comment dire, les différents épisodes. Mais nous ne sommes pas restés dans l'épisodique. Nous avons essayé de donner une trame et une trame pour se devenir. Voilà. Bonny, juste une question. Oui, la dernière. Quand il donne, il fait mettre sa coupe dans le sac de Benjamin, son frère de sang via la mère. Est-ce qu'il n'y aurait pas et là on va dépasser le pchat, on va je voudrais voir un petit peu au-delà. Est-ce que le fait que à l'époque les gens lisaient la bonne aventure, on va dire, dans la coupe qui leur appartenait, c'était de leur dire vous me privez de devenir et moi je vais faire en sorte que je vais vous mettre face à une privation de devenir si jamais votre frère va vous être enlevé et voir un petit peu comment vous allez réagir sans devenir avec ce frère. J'étais sûr que tu allais poser cette question et tu as entièrement raison. Ce n'est ni vengeance ni rancune, mais c'est oui, provocation de la part de Yosef pour que lui et les frères, mais les frères face à lui, soient mis au devant, face à face avec une réalité qu'ils avaient pourfendu, qu'ils avaient vilipendé, qu'ils avaient trahi. Et c'était l'occasion qui allait faire le larron ici, les larrons. Et cette coupe va servir d'élément révélateur de quelle est la situation de cette famille. Parce que s'il n'y avait pas eu d'élément révélateur, il est clair ici que nous aurions eu une implosion de la société familiale hébraïque. Mais, tout rentre dans l'ordre, vous vous rappelez la parole de Yaakov, El Shaddai, tout est en ordre, tout rentre dans l'ordre, mais enfin, encore une fois, il faut le rajouter, mais on l'a déjà dit tellement de fois. Tout est en ordre parce que l'homme est à même de montrer une volonté de retrouver cet ordre-là. Donc la coupe était le keli pour pouvoir remplir. À mon humble avis, hein, tout ce que je vous dis, ça n'engage que moi. Hein, n'allez pas dire le bon Dieu nous est apparu jeudi soir et nous a dit que non, pas du tout. Hein. C'est René Acru, son enseignement. Chacun en fait ce qu'il veut, mais voilà quoi. Mais en tout cas, voilà. De toute façon, je vous envoie, hein, vous voyez, tout ce que je publie, et c'est une même ligne de conduite avec vous, avec les autres choses que je vous envoie ce matin, les alcôves, et puis la haftara, enfin bref, c'est un même suivi en dehors des textes. Et... Vous savez, je pense que... Oui, Rose, oh, que j'entends la voix de Rose. Oui. Ben, n'empêche que leur crainte quand même n'était pas totalement fondée parce que finalement Joseph a quand même pris le pouvoir, même si c'est en Égypte, mais ce qui craignait finalement finit par arriver. Mais je vous l'accorde, ma chère, d'ailleurs nous l'avons lu, qu'au moment où les frères sont venus et sont prosternés, Yosef est très conscient qu'il y a là une scène qui se joue et qui lui rappelle un rêve qui fut le sien. Ah oui. Il est pleinement conscient. Ah bah oui, il n'en rate pas une, papy. Bon, il va falloir attendre une semaine pour se revoir. Oui. Et Ronnie,
Oui, vous étiez en vacances de Pâques, il y avait moins de monde aujourd'hui. Hein. Bon, enfin, ça ne fait rien, hein. C'est dans l'intimité. Quelqu'un voulait dire autre chose? Oui, c'est Evelyne. Oui. Par rapport à toutes ces fratries que tu nous as décrites depuis Caïn et Abel, et puis jusqu'à Joseph et ses frères, on peut espérer qu'il y ait une réconciliation de la fratrie dans les temps futurs? Ben, c'est ce qu'il nous est demandé à Evelyne, à Tina, à Paul, à Ronnie, à Johan, etc. etc. je veux dire. Quand j'ai vu la cérémonie cet après-midi à Auschwitz-Birkenau, avec les 41 pays représentés, les 110 délégations, et cette pancarte « Plus jamais d'antisémitisme », ah, c'est Yann Moix qui avait déclaré au cours d'une émission, vous voyez, je suis au parfum, je me tiens au courant de tout, Yann Moix qui avait déclaré que là, enfin je résume bien entendu, mais il avait fait une grande déclaration, que lorsque l'on touchait un juif, on touchait à l'homme. Et cette pancarte là-bas, enfin c'était une grande pancarte à Birkenau cet après-midi, plus jamais d'antisémitisme, avec ce que nous avons vu la semaine dernière en Californie, à Pittsburgh précédemment, que vous sachiez qu'aux États-Unis, pas seulement en Europe, mais en ce moment l'inquiétude, elle est aux États-Unis avec une montée très forte d'antisémitisme également. Voilà, nous sommes plus que jamais interpellés les uns et les autres sur, au milieu des populismes, au milieu des prises de position extrêmes qui viennent répondre à des épreuves intestines, nous sommes interpellés. Si on pensait que l'histoire c'était du passé, on se rend compte que l'histoire est toujours présente. Et que nous sommes confrontés à la même chose. Mes enfants me posaient la question, enfin les grands ce matin, et je leur disais, mais vous savez, nous commémorons 42, 43, 44, mais je vous rappelle que dans les années 90, le front yougoslave, déchiré en mille et une ethnies, n'a pas été moins terrible avec les fosses communes, les assassinats de masse, et bien entendu, ne pas oublier ce massacre, parce que c'est un massacre entre les Hutus et les je crois que c'est les Hutus qui ont tué les Tutsis, à la hache, à la hachette, etc. Donc, leur question est de savoir véritablement ce que tu me demandes. Je veux dire, le projet, il est justement cette fraternité-là, et nous sommes continuellement mis à l'épreuve d'événements qui voudraient nous prouver le contraire. Eh bien, c'est à nous. C'est notre rôle. Enfin, je pense que c'est le rôle d'Israël personnellement. Mais en dehors de l'importance que j'attache au rôle moral et éthique d'Israël concernant ce devenir de l'humanité, je ne peux pas m'empêcher de dire à tous mes amis, et ils sont nombreux, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas de israéliens, qui ne sont pas de religion juive, etc., etc., que nous sommes tous embarqués dans un même bateau, et que ce bateau nous appartient, et que nous sommes donc responsables. J'ai rappelé ce que Abraham Joshua Heschel disait à côté de Martin Luther King, je ne veux pas maintenant vous dire « nous sommes coupables », mais il y a de la culpabilité dans ce monde, et face à cette culpabilité, eh bien, nous sommes bien obligés de dire que nous sommes responsables. Mmh. C'est bon. Et moi, personnellement,